الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات، وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى، إذ قال الله العظيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد شيء فرج هو شيخ فرج durant le mois béni de Rajab, nous avons tous les jeudis soirs, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, et surtout tous les vendredis, nous avons ensemble discuté à propos de l'importance de ce mois béni. Car Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette responsabilité à un de ses prophètes, et il est de notre devoir de faire la même chose. Et donc voilà pourquoi moi j'ai choisi le verset 5 de chapitre 14 du Saint-Coran, que je cite durant tout le mois béni de Rajab. Là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad arsalna Musa bi'ayatina, nous avons envoyé Moïse avec nos signes, an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ilan-nur, et nous lui avons ordonné de faire sortir son peuple des ténèbres vers la lumière, et nous lui avons donné aussi une autre responsabilité: wa dhakkirhum bi'ayamillah, au Moussa, il est de ton devoir de faire rappeler à ton peuple les journées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans tout cela, inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin shakur. Et dans tout cela, il y a des signes pour les gens qui sont pas vieux, sabour, patient, et les gens qui sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme par hasard, aujourd'hui, nous sommes le dernier vendredi du mois béni de Rajab. Il n'y en a plus après cela. Et j'en ai déjà parlé, ô combien le vendredi de chaque mois béni de Rajab est important. Et aujourd'hui sera la dernière occasion, peut-être pour certains d'entre vous, pour participer dans les oraisons, dans les récitations que nous essayons d'organiser tous les vendredis du mois béni de Ramadan. Mois béni de Rajab. Le mois béni de Rajab, on a parlé de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Saint-Coran. Mais aujourd'hui, nous allons faire un pas en avant. Parce que chaque fois que je cite ce verset, je le cite à moitié, car le message vient le moment de le faire passer. Voyez-vous, le mois béni de Rajab, avec son nom, n'est pas mentionné dans le Saint-Coran. Mais il y a allusion à ce mois-là. Et c'est le verset 36 du chapitre 9.
الله سبحانه وتعالى دين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. Certes, en vérité, le nombre des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12 mois. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. Et tout cela, c'est depuis qu'il a créé la terre et les cieux. Bien. منها أربعة حروم. Et parmi ces 12, il y en a 4 qui sont sacrés. Voyez-vous, il n'y a pas le nom ou le mot Rajab. Mais le prophète nous a indiqué que les 4 mois dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset sont Rajab, Haram, Zilqa'ad et Zilhajj. Donc Rajab, il ne fait pas. Mais la question que je me pose, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait dit « Minha arba'atun hurum » parmi ces 12, il y en a 4 qui sont sacrés. Il dit tout de suite après, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيَّمُ. Telle est la voie droite. Telle est la religion droite. Qu'est-ce que le mois de Rajab ou les 4 mois sacrés vont venir faire avec telle est la religion droite? Il n'y a pas que cela. Allah subhanahu wa ta'ala continue. Il dit, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ. Et attention, durant ces 4 mois-là, ne vous faites pas du tort. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Et durant ces mois-là aussi, combattez les associateurs comme eux, ils vous ont combattu. Et tout de suite après, il nous dit وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْيَلَّهِ. Voilà. Sabirin, encore. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec les pieux. Ajib. Je me pose la question, Ya Allah, après avoir fait mention des 4 mois, pourquoi tu nous dis, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec les muttaqin. Et donc je me dis, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, de me dire, ô mon serviteur, si j'ai décrété ces 4 mois-là comme sacrés, et si toi, tu les honores comme il faut, ou bien tu seras peut-être considéré comme quelqu'un de muttaqi. Abu Allah subhanahu wa ta'ala avait dit, wa dhakkirum bi ayyamillah. Rappelez les journées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Hajj, le chapitre 22 du Saint-Coran, et verset 32, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, bismillahir rahmanir rahim, wa man yu'azzim sha'airillah. Celui qui fait honneur au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie de la piété des cœurs. Et donc, chers frères, très simple. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des mois saints et bénis, et parmi lesquels il y a Rajab, quelques jours, Rajab va être terminé. Et pourtant, tellement important la dernière partie de Rajab. Et donc, comme j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le 9.36 nous indique, si je suis capable de respecter comme il faut ces 4 mois-là, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Je peux faire partie des gens pour lesquels on peut dire que ce sont des muttaqin. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une chose dont je vais parler aujourd'hui, dernièrement, le dernier vendredi du mois béni de Rajab. Mais avant de parler de dernier vendredi, l'occasion se présente par coïncidence, nous sommes aujourd'hui le 27 du mois béni de Rajab. Savoir 20 Rajab, 27 Rajab. Et nous savons très bien, là, impossible, c'est la journée de 27. Donc 27 Rajab, qu'est-ce qui se passe? بعثة الرسول الإسراء المعراج. Et durant la nuit passée et la journée d'aujourd'hui, nous avons des actions surérogatoires, juste pour vous encourager pour la demi-partie qui nous reste du 27 du Rajab. Donc après la prière, nous avons
une demi-après-midi ou une après-midi entière. À moi de voir, voudrais-je profiter du 27 du mois Bid. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans Mufatul Jinan, la narration elle est là, dans Mufatul Jinan, le prophète nous indique chaque bonne action qui sera faite le 27 du mois béni de Rajab sera compté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme si cette action a été faite durant 60 années. Une action, 60 années de récompense. Tu as un problème avec ton frère, va demander pardon. Tu as envie d'aider quelqu'un, va l'aider aujourd'hui. Tu veux faire apprendre à quelque chose, apprendre les gens, apprends-les aujourd'hui. Tu veux aider les pauvres, fais-le aujourd'hui. Et parmi cela, il y a une autre action. Là aussi, le prophète nous dit, parmi les actions les plus grandioses, le cinquième imam nous l'a dit pour les vendredis, le prophète nous dit, le 27 du mois béni de Rajab, la meilleure des actions est As-salatu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc, chers frères, nous sommes le 27 du mois béni de Rajab. Et d'autres actions. Il y a 12 rak'at. Dans ma Fatul Jinan, vous pouvez les trouver. Et j'avais fait mention l'autre fois. Mashallah, nous avons tous des smartphones, des téléphones portables. Vous pouvez juste aller et télécharger une application qui s'appelle Perle Divine ou Divine Perle. D'accord? Et dedans, allez dans la section Moi béni de Rajab. Et vous allez trouver les actions du 27 de Rajab, c'est-à-dire Mi'raj ou Al-Ba'tha. Ça, c'était une parenthèse. Il me reste une après-midi. Mais il y a une autre action pour laquelle il nous reste peut-être, d'après mes calculs, 2 jours. Il n'y a pas 3e jour. Il nous reste que 2 jours. Un des disciples, Abu Salim, de notre 6e imam, l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam. Nous dit que c'était la fin du mois béni de Rajab, comme ça. Et là, le 6e imam m'a demandé une question, tout d'un coup comme ça, il est en salle. Est-ce que tu as jeûné durant le mois béni de Rajab? Le jeûne. Vous m'entendez très peu sur le jeûne, hein? Très peu. Mais aujourd'hui, j'en parle. Le jeûne, est-ce que tu as jeûné? Le disciple, le compagnon du 6e imam dit, mais non, Ibn Rasulullah. Le 6e imam lui dit, tu ne sais pas ce que tu as manqué. Tu ne sais pas ce que tu as manqué durant le mois béni de Rajab. Et là, la narration, je n'ai pas envie, mon Fatul Jinan. Je l'ai là, mais je n'ai pas envie d'aller lire dedans. Le 6e imam lui dit, celui qui fera au moins un seul jeûne, durant le mois béni de Rajab, eh bien, quand il va mourir, Sakarat est morte. Sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala la rendra facile. Juste un jeûne. Et il nous reste 2 jours maintenant. Pour ceux qui ont fait aujourd'hui, c'est 60 années. Mi'raj, c'est 60 années de jeûne pour ceux qui ont eu la chance de le faire aujourd'hui. Le jeûne, qu'est-ce que c'est? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Rajab, il dit « Wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin » Chapitre 9, verset 36. Respectez les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, chapitre 22, verset 32. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Pour Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa. Les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah prend aussi taqwa. Pour le jeûne, qu'est-ce qu'il y a? Taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le but du jeûne est aussi at-taqwa, la piété. Voyez-vous les circonstances et les concordances que nous avons entre Rajab, entre les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi le but du jeûne. Et je ne vous parle même pas de quelle manière le 6e imam a dit que celui qui va faire 2 jeûnes, il aura telle récompense. Celui qui va faire 3 jeûnes, il aura
Terre récompense le jour du jugement, il sera sans crainte. 15 minutes. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cher frère, Rajab, Rajab, Rajab. Le jour du jugement, nous avons notre prophète qui dit, il y aura beaucoup de questions. Moi, ce que je connais, moi, si vous vous connaissez, vous devez m'apprendre à moi. Mais des fois, je remarque qu'il y a des gens qui se disent, nous, on est plus forts. Mais nous, on est là, prêts à apprendre. Le prophète a dit, le jour du jugement viendra un appel là où on entendra Aïna Rajabiyoun. Où sont-ils ces gens-là qui ont respecté, qui ont donné un honneur au mois béni de Rajab? Où sont-ils ces gens? Aïna Rajabiyoun. Chers frères, pour être Rajabi, pour faire partie des gens qui ont pris conscience de la valeur du mois béni de Rajab, il n'est pas encore trop tard. Il y a encore 2 jours du mois béni de Rajab. Allez voir, Mufatil Jinan, c'est plein. Plein d'actions. Et à ma connaissance, il y a 45 ou 55 pages. 55 pages d'actions à faire durant le mois béni de Rajab. Et vous avez un autre livre, un autre fascicule que nous avons sur notre site. Là aussi, les pères du mois béni de Rajab. Ça aussi, nous l'avons avec les prières quotidiennes du mois béni de Rajab. Pour aujourd'hui, je vous rappelle juste ô combien l'action que nous faisons est importante. Laquelle? Les 100 qu'ulou Allahu ahad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. C'est juste un rappel. Alhamdulillah, comme j'ai dit, il ne nous reste que 2 jours du mois béni de Rajab. Demain, c'est samedi, dimanche, Inch'Allah, l'occasion se présente. Rattraper, faire un petit effort et dire à Allah, subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, tu as rendu ces mois-là sacrés. Au moins une fois, j'ai pensé et je me suis dit, non, je vais essayer de faire quelque chose durant ce mois béni de Rajab. Et donc, je vous rappelle et je finis. Notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. من قرع في يوم الجمعة من رجب قل هو الله أحد 100 مرة كان له يوم القيامة نور يجذبه إلى الجنة celui qui fera l'effort de réciter 100 fois قل هو الله أحد le jour de vendredi durant le mois béni de Rajab, le jour du jugement, il aura une lumière grâce à laquelle il va être attiré par le paradis. Combien c'est simple. Combien c'est simple. Je répète, pour finir toujours, c'est pas parce que je ne le fais pas ici, si je vois des gens qui ne le font pas ici, que je dois d'ores et déjà accuser les gens, juger les gens, ou se croire meilleur que les gens. Peut-être moi et toi, nous faisons 100, lui, il fait 200 à la maison. Qu'est-ce que t'en sais? Moi et toi, on fait 100, lui, il en fait 1000, parce que nous avons aussi la rivaya de Al-Mil. Mais moi, mon but du jeu, c'est pas juger les gens, accuser les gens. Non, c'est encourager les gens. N'oubliez pas, motiver les gens. Car le faire tout seul, c'est pas facile. Bien, ya Allah, il me dit, fini. Ya Allah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa l'asr inna l'insana la fi khusr inna l'adina amanu amilu s-salihat. Wa tawassum bil haqqi wa tawassum bil safr. Inna shaitani ar-Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Thumma salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala Fatimah al-Zahra. Allahumma salli ala Muhammad. الحسن المجتبى اللهم صل على محمد وآل محمد
الفرسان الشهيد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جعفر بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى موسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحجة المهدي القائم المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الله فرجه الشريف واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن المستشهدين تحت لوائه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بالإسلام وأهلا وتذل بالنفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.